Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, mais pas n'importe quel vlog, un vlog exceptionnel, le vlog de notre million d'abonnés. Il y a toute ma famille, amis qui vont venir ce soir, du coup pour faire la fête, et en plus de ça, grosse, énorme surprise, mais vraiment énorme surprise, moi et les filles, on offre une voiture à ma mamie. Voilà. Enfin, à la maman de ma maman. Donc t'as... Mamie. Voilà, on va offrir en même temps, comme nous on a réalisé notre rêve, on va réaliser le rêve de ma mère qui voulait une cabriolet. Toute ma vie, je l'ai entendu dire qu'elle voulait une cabriolet. Donc ce soir, pendant notre fête, en fait, on va lui offrir la voiture. Elle n'est pas au courant. À ton avis, elle va réagir comment? Moi aussi, je pense qu'elle va pleurer. Alors là, du coup, on va tout préparer. Les invités vont arriver vers 19h, 19h30. Là, on est tôt le matin. Il n'y a plus qu'à aller à la douche et après, motiver, déjeuner. On a un barnum à monter, on a des chaises à installer, on a la déco. On a presque 400 ballons à gonfler. Faire à manger, parce que c'est moi qui fais à manger. Du coup, petite tartiflette et tout ça. Mais c'est bien dur. Ouais, on est 92 ce soir. Donc là, il y a du monde. Je pense qu'il va falloir se motiver. Donc c'est parti, on vous montre toute la journée, nos tenues, tout. C'est parti. Ah, j'ai Lilo qui est complètement coincé avec les courses. Regardez tout ce qu'on a acheté. Le coca, les gâteaux apéro. Faut dire qu'on est à peu près 100 personnes. T'es en galère là. Chaque invité va recevoir ça. En fait, c'est un petit pot comme ça de miel. Apparemment, ça porte bonheur. Avec le petit truc comme ça. Et je sais pas si vous voyez, mais là, il y a marqué. La sweetie. Ah, on l'a enlevé comme ça, on va voir. Du coup, Dio, elle met ça dans un petit panier comme ça. Je sais pas si on met de la déco ou pas, Dio. Je pense pas. Comment ça? Bah, c'est déjà plein quoi. Ouais, mais j'aurais bien mis un petit filet autour ou un petit truc en or, non? On a acheté. Les assiettes aussi avec de l'or. On a acheté tous les plateaux comme ça avec de l'or. On a acheté aussi les trucs comme ça à mettre sur le gâteau. Voilà, voilà. On est en train de tout préparer pour la journée. Et voilà quoi, on a plein de trucs à faire. On a les toasts à faire. Là, c'est l'étiquette. Et dessus, il y a marqué la sweetie 1 million. Je sais pas si on voit. 1 million, la sweetie 1 million du coup. Une petite abeille comme ça. Ouais, la petite abeille était trop mignon aussi. Donc voilà, là on est en train de tout préparer et tout parce que là c'est bientôt. Après, du coup, on va aller s'habiller. Diolinda, elle a choisi une robe blanche que j'ai recousue. J'espère que ça va aller parce que... J'ai pris trois robes. Une robe, c'était dorée de base, elle est rose. Ouais. Une autre robe, beaucoup trop grande, n'importe quoi. Et la troisième, tout va sur les épaules de maman. Il faut que tu y arrives. Et la troisième, il faut que j'arrive à la recoudre. Mais alors là... Et Lilo, du coup, toi, ta robe? Alors moi, c'est un petit truc. Il y a un voile. Elle, c'est un short, en fait. C'est un short un peu avec... comment on appelle ça? Un truc, là, un voile derrière. Et moi, je vais vous montrer ma robe que je vais mettre tout à l'heure, du coup. J'avoue, j'ai un peu le stress. J'avoue, quand on reçoit beaucoup de monde comme ça, j'ai un peu le stress. Donc, du coup, voilà ma robe. Là, c'est le derrière. Ça fait un peu un dos nu comme ça. Et regardez, franchement. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, c'est vraiment or et blanc. Je la trouve vraiment trop, trop belle. Vraiment magnifique. Du coup, les filles, ils sont en train de finir les petits pots de miel. Ouais, il y en a encore combien à faire? On en a, ouais, une trentaine à faire. Donc là, c'est tout simple. Là, voilà, on le remplit de miel. Mais je trouve ça trop mignon. Il y a même les petits bâtons. Mais le bouchon, je crois que c'est un mal. Là, faut bien le fermer parce que, alors, si ça dégouline, on a pas l'air con. Là, on est complètement à la chaîne. On est en train de remplir les petits pots de miel. Donc là, Diolinda, elle est en train de mettre tout dans les petits sachets. Lilo remplit les petits pots de miel. Et moi, je mets les ficelles. Franchement, on travaille, on bosse, on bosse. Ensuite, pour vous montrer, je vais vous faire voir après aussi ce que j'ai acheté. Parce qu'en fait, on fait la tartiflette nous-mêmes. Et du coup, j'ai acheté un gros poêlon et tout. Ça, je vous montre tout ça tout à l'heure. Faut qu'on speed. Franchement, faut qu'on speed. On a plein de trucs encore à faire. Plein de choses à faire. Et avec Lilo, on est en train de la nettoyer. Avec son tonton, on a sorti tous les éponges, les trucs. On est en train de la faire briller. On a installé le petit nœud et tout. Et on vous montre du coup dans la soirée sa réaction quand on va la recevoir. Alors du coup, on a pris du renfort. La cousine de Diolinda est arrivée. Parce que ce soir, du coup, je vous ai dit que c'était nous qui cuisinions tout. Regardez la tonne de pommes de terre qu'on a. Je sais pas combien ça fait de kilos. C'est combien un truc? Je crois que c'est 1 kilo, non? C'est plus. Mais non, il y a plus qu'un kilo, je crois que c'est 5 kilos. Quoi? Elles ont 30 kilos de pommes de terre à éplucher. Donc, j'ai pris 50 kilos de patates. Ça fait... On est sans invité, on va dire, en comptant les gamins. Donc, ça fait 50 kilos, ça fait 1,5 kilo par personne. Non, ça fait trop. En sachant que la tartiflette, c'est super... Super lardon, la crème, le fromage. Ouais, mais en attendant, je suis tranquille. Allez, la corvée, c'est parti. Là, vous en avez au moins pour 2 heures. 2 heures tranquille. Pendant que Lilo, elle se délasse tranquillement, elle... Non, moi, je suis à nounou. Elle a fait la nounou. Donc voilà, on n'arrête pas. La tonnelle, elle est en train de se monter. J'ai réussi à avoir la baffe comme ça. Petite décoration comme ça avec One, comme One Million. Ça, c'est moi qui l'ai fait. J'ai pris des petits pots comme ça et puis j'ai mis des petits papillons. On a coloré tout ça.
Donc voilà, ça avance, mais regardez dans l'état que je suis, je n'en peux plus. Alors ça y est, on a mis la tonnelle comme ça, faites pas attention à ma tête, j'ai fait des soins aux cheveux et tout là pour être belle ce soir, belle. On va essayer. Le chien, il arrête pas de foutre le bordel, il prend tout, il vole tout. Alors on a mis une tente ici pour pouvoir faire à manger, du coup je vous ai dit, on a fait un poêlon avec tartiflette. Il y a un grand barnum, il est immense, regardez ce que ça donne à l'intérieur. Alors pour l'instant c'est comme ça, on a mis des tables du coup en U, voilà, le chien qui fait toujours ça, tout à l'heure il m'a piqué les trucs ici. On a pris des petits plateaux en or, là on a fait ça avec les filles. On a mis, bah, vous savez, les trucs qu'on a fait là avec le petit miel, du coup on l'a mis dans une petite corbeille comme ça. J'ai fait mon petit discours, du coup je pense que je vous le mettrai sur Instagram pour que vous puissiez le lire. Et voilà Raymond qui a bouffé ma lampe, regardez, voilà, et il veut pas me la rendre. Donne-moi ma lampe. C'est n'importe quoi ce que tu fais là. Donc voilà quoi, j'ai du boulot, qui lui c'est un enfant. Moi je sais pas quelle choisir entre mes robes, donc j'ai celle-là. Là c'est le cou, là. Ouais. Là c'est le cou comme ça. Là c'est comme ça, genre en fait elle est normale devant. C'est un dos nu. Mais devant elle est normale. Ouais, devant elle est normale. Mais derrière genre on voit tout le dos comme ça. Dos nu et tout. Voilà. Ou sinon moi j'ai celle-là, genre elle est toute normale. Sauf qu'il y a qu'une manche. Mais il faut que je repasse parce que... Bon. Ah là il y a celle-ci, elle est comme ça devant. Tout le monde la connaît en Espagne quand vous y allez, genre sur les marchés, elle y est tout le temps. Donc derrière c'est comme ça. Voilà. Celle-là elle est trop belle par contre. Celle-là elle est... Canon. Vas-y, c'est pareil. En fait, c'est comme la première. Devant, elle est comme ça. Ouais. Elle est normale, quoi. Et derrière, c'est pareil, c'est qu'il y a un nœud. Derrière, dos nu et un nœud. Voilà. Voilà. Mais du coup, on en a 4 pour 2, mais on en veut 0. Vraiment. Bref, on essaie de trouver. Alors, regardez comment ça a avancé. Regardez comme ça va faire trop beau. Là, les filles sont en train de me monter des papillons. Yolinda, elle est en train de me monter ça devant. Franchement, on avance bien. Là, j'avoue, on avance bien. J'ai été chercher le gâteau. Malheureusement, il s'est un peu cassé. Ça va encore, on va réussir à le faire, à le remodeler un peu et tout. C'est plus le haut qui a un peu cassé, mais bon, ça va le faire. Je vous le montrer tout à l'heure, il est trop beau. Franchement, il est magnifique. Il est super haut, il est super beau. Il est blanc, il est or, comme je voulais. Il est magnifique. Lilo, elle est partie avec son frère chercher les derniers trucs qui nous manquent, les baguettes, les trucs comme ça. Et là, je m'attaque à gonfler tous les ballons. Je crois que j'en ai plus de 300. Ça va, j'ai le petit truc comme ça que j'ai acheté à Jiffy. Lilo est revenu. Du coup, ça a été... Alors là, il y a des gros lots à gagner. Ah oui, parce qu'on vous a pas dit qu'est-ce qu'on fait ce soir. Alors, on fait une tombola. Par exemple, là, il y a un petit ticket avec écrit 160, par exemple. Et on va piocher un petit numéro, hop. Et là, c'est 160. Non, et le lot, bah, 160, et ben, c'est... Le gagnant. Voilà. Et Lilo, elle a été chercher les cadeaux de la loterie, du coup. Ouais. Voilà. Et vous le savez pas parce que vous avez le découvrir. Tout à l'heure, peut-être. Tout à l'heure, je sais pas si on a... Non, mais toi aussi. Hein. Ah, et bah, moi, je sais pas ce qu'il y a dedans non plus. Bah, non, mais toi, tu vas le découvrir aussi tout à l'heure. Bah, oui. Là, du coup, on a gonflé tous les ballons. Regardez tous les ballons en or et tout. Yolinda n'en peut plus des ballons. Tout ce qu'elle voudrait, c'est aller prendre une douche. Mais elle doit gonfler les ballons. On a mis des petits papillons comme ça, les ballons comme ça. Franchement, ça commence à être trop beau. Franchement, ça vraiment, ça commence à être trop beau. C'est trop bien. Elle aussi, elle n'en peut plus. Non, ça la cousine, elle est HS. J'ai trop envie de faire voir ta dégaine là maintenant. Par rapport à tout à l'heure. Et encore, sa robe est toujours pas cousue, hein. Pour l'instant tu sais même pas ce que tu mets. Mais comme ça au pire, je suis différente de vous. Ah ouais, ouais, ça peut donner un style aussi. Alors du coup je me suis éclaté le pied, en dessous le pied, parce que en fait il y avait un caillou de la même couleur que la terrasse. J'ai marché dessus, il y avait une petite pointe dessus. Mais là elle fait la crâneuse alors qu'elle a pleuré. Ah oui, ah c'était trop... Là on a mis le trophée sur le chevalet et là ça y est, c'est fini. Regardez ce que ça donne, tout est en doré. Voilà. Et bon, on a mis plein de ballons gobelets, aussi par terre parce que là c'était trop dur à accrocher là. Regardez mes doigts, j'en peux plus. Ouais, il manque quelques gobelets et puis déjà là, on a bien avancé. Ouais, bah moi je vais aller mettre les gobelets. Et quelle heure il doit être je pense qu'il est 15h. Bientôt... Ouais, bientôt 16 même. Non. Je dirais qu'à 17h il faut qu'on soit prête. 17h, comme ça on fait notre petit TikTok jusqu'à 18h. Ouais. Chilou, et comme ça après les gens ils arrivent. Ouais, super. On fait comme ça. Et du coup la voiture elle est garée là. C'est la voiture qu'on offre à la mamie des enfants, du coup ma maman. Et du coup la soirée elle se passe, vous voyez la tonnelle qui est là-bas. De ici on l'a planquée derrière les arbres en fait là. On a mis un truc dessus. Voilà, on l'a couverte pour pas qu'il y ait trop de merde d'oiseaux avec l'arbre. Et voilà, sa petite cabriolet qui va être trop contente. J'espère qu'elle va être heureuse, mais je pense que oui, de toute façon, elle va être trop contente. Elle en rêve depuis longtemps d'avoir une cabriolet, donc on lui a pris la même marque de sa voiture, en fait, mais en cabriolet. Comme bah, maintenant, ma mère, elle a pratiquement 70 ans, elle n'aime pas trop changer d'habitude et tout. Du coup, voilà la petite voiture. Voilà. On vous filme sa réaction, je pense, tout à l'heure. Je suis trop pressée, vraiment. Alors, autant que je suis heureuse de fêter les millions d'abonnés, mais je pense que je suis encore plus heureuse d'offrir la voiture à ma mère. J'attends avec impatience ce moment de la soirée. Je pense qu'on va l'offrir avant le gâteau, je pense. Je fais un discours et à la fin du discours, en fait, la voiture, elle arrivera de derrière avec mon petit frère qui est à l'intérieur en train de klaxonner et tout.
Ouais, je suis pressée, vraiment pressée. J'espère qu'on va pas oublier, parce que c'est Dio qui doit filmer cette scène-là pour vous. J'espère qu'elle va pas oublier, qu'on va pouvoir tout vous montrer. Alors voilà. J'adore. Qui sa tenue. Regardez, plein de paillettes partout. Tourne, vas-y, tourne. Tourne, mon cœur. Donc Lilo est prête, je pense quand même dans les cheveux, elle va mettre quelques bijoux. Moi j'ai fini mes ongles, voilà. Donc une de prête, je vous fais voir la tenue. Regardez mes talons. Ah les talons, oui, elle a mis des talons. Lilo a eu le droit de mettre des talons aujourd'hui. Donc elle est super contente, il manque les bijoux encore. Des bijoux en or, des bracelets. Et puis après t'es parfaite, hein. Elle a même eu le droit de se maquiller. Alors là, les filles sont en train de se coiffer. Diolinda du coup elle a mis des petites tresses comme ça. Voilà, avec des petits bijoux. Elle, Davina, du coup, elle est à don sur la life. Sur les paillettes, d'accord. Elle est heureuse que les paillettes existent dans mais sa oui, vie. Mais vraiment, bah, c'est trop... Et moi, du coup, on a mis des petits trucs comme ça. Et derrière, c'est trop bon. Niveau coiffure, c'est bon. Maintenant, attaque. Tu mets ta frange. Le maquillage, je sais pas. Peut-être que je vais mettre la fausse frange. Vous savez que je vous ai pranké avec là. Peut-être que je vais la mettre. Je sais pas, on verra. Alors voilà, du coup, ma tenue. Le haut blanc comme ça à paillettes, je l'ai trouvé sur Shein. Là, blanc. Comme ça, avec des petits motifs dorés. J'ai mis les chaussures comme ça, à talons, avec les petites ficelles pareil. Plein de bijoux dorés, la petite chaîne de mon père. Et j'ai mis, vous avez vu, j'ai mis la fausse frange. Je la trouve parfaite. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez ma tenue. Et maintenant, je vous fais voir celle de Dio. Elle, elle a choisi une petite robe comme ça, super courte, super mignonne, féminine à fond. Des talons, ça fait bizarre de l'avoir en talons, elle qui est toujours en jogging et ouais, c'est vrai. Donc les boucles d'oreilles, elles brillent de partout, elle est magnifique. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez. On vous a fait une transition sur TikTok aussi, donc ouais. Voilà, voilà. Déjà, nous, on est toutes prêtes. Davina, elle, elle a mis une petite robe comme ça. En crochet. En crochet, voilà. Alors là, du coup, on a mis le beau-frère, voilà. C'est lui qui va cuisiner, du coup, la tartiflette. Et regardez le colon, du coup, que j'avais acheté, il est géant. Donc voilà, la fête dure à fond, il y a tout le monde. Yulida, normalement c'est la dernière. Ouais, toujours aussi belle. Sauf qu'elle a mis. Elle a mis. Ça va, ça va. Elle a mis les doubles. Ouais, mais bon, elle est pardonnée. Donc, atteindre 1 million d'abonnés est un rêve devenu réalité. Et je suis immensément reconnaissante à chacun d'entre vous pour votre soutien, votre encouragement et votre fidélité. Permettez-moi de vous emmener en arrière au tout début de ce voyage il y a quelques années. J'ai lancé cette chaîne avec une simple caméra, beaucoup de passion et un rêve. Un rêve de partager des idées, de raconter des histoires et surtout de créer une communauté soudée autour des passions communes. Je me souviens de longues nuits de montage, des doutes incessants et des premiers commentaires encourageants qui me donnaient la force de continuer. Chaque vidéo, chaque abonné, chaque commentaire était une victoire qui m'ont motivé à persévérer. Il y a eu des moments de joie intense, comme lorsque j'ai atteint mes premiers 1000 abonnés. Je me souviens encore de cette sensation d'euphorie, de savoir que 1000 personnes avaient choisi de rejoindre l'aventure. Les chiffres ont continué de grimper. Mais ce n'est pas seulement la quantité qui compte, chaque abonné représente une personne unique, avec ses propres histoires et ses propres rêves. Et c'est ce qui rend cette communauté si spéciale. Bravo ! Après avoir réalisé mon rêve, j'ai pas réalisé le rêve de mon père parce qu'il est malheureusement parti trop tôt, mais aujourd'hui je vais réaliser le rêve de quelqu'un ici. Je vais appeler ma mère. Qu'il y a, non ? Maman, c'est quoi ? Toujours rêvé de quoi? T'as toujours voulu avoir quoi dans ta vie? Que t'as jamais réussi à avoir? Une voiture, cabriolet. Une cabriolet? Oui. Regarde. Wow. Ouais. Alors ça y est, la journée elle est terminée. Là pour tout vous dire, on est le lendemain du million d'abonnés. On a fait tout le ménage hier soir, on s'est couché. Même pas hier soir, tôt ce matin, on s'est couché à 7h du matin. On a fait tout le ménage et tout, on n'en peut plus. Il nous reste encore tout le dehors à débarrasser. La chambre de Lilo, comme il y avait ses cousins, ses cousines, du coup il y a le bordel. Donc elle a sa chambre à nettoyer. J'espère que vous aimez les vlogs. À 15 000 likes, on fait encore plus de vlogs sur notre chaîne. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas les pouces bleus, c'est très important pour nous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour louper aucune de nos vidéos. Et là, on va faire le ménage à fond. Non, 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 pas